Tiens Thierry, un petit truc alors, je vous explique. Que je vais te montrer. Il me l'a déjà fait deux fois, j'ai rien compris, donc ça sera l'impensable voilà. Numéro 30. Parce que celui qui veut le remonter, même si vous voyez des choses, des machins, des bidules pour le remonter, je crois que vous allez passer des nuits entières. Donc, alors, je vais quand même essayer de te demander si je peux faire ça et ça et ça, oui. Et on va voir, parce que je ne t'ai pas fait les autres fois. Donc j'ai essayé un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, alors je sais pas si tu as vu quand j'ai mélangé, mais en fait j'ai fait deux prédictions. Alors, il y a des jokers. Voilà. Bon, je les ai vus deux fois, ma pito. Alors pourquoi ils sont dans le jeu alors bien sûr ils sont là dans n'importe quel ordre, mais je les ai mis à l'intérieur directement parce que si je les sors à la fin du tour, on pourrait dire ah oui mais t'as plusieurs sorties. Donc tout est là. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je ne rajouterai rien, je n'enlèverai rien. Yeah. Et comme je dis, s'il y a plusieurs sorties, bah, ouais, tu pourrais dire, bah oui, t'as vu ce que j'ai fait, et puis tu sors ce qui t'arrange. Donc non, et je te le prouverai jusqu'à la fin, que, puis en plus les jokers que j'ai mis dedans sont différents que du jeu. Mm. Ok. Donc ce que tu as... De notre couleur. Exactement. C'est les jokers qui viennent de notre jeu. Alors je tousse, mais normalement c'est pas la maladie. C'est mon fils qui m'a refilé sa toux. Alors... ce que je vais te demander, c'est, t'es d'accord avec moi que si tu, je te demande de couper, alors normalement il faut deux spectateurs, donc tu joueras le rôle de deux spectateurs, toi quand tu vas couper, tu essaieras de laisser à chaque fois une petite partie pour l'autre spectateur aussi, que tu joueras, d'accord. T'es d'accord avec moi que si je te demande de couper, de regarder ta carte, donc c'est un exemple, hein, tu coupes, tu regardes, c'est impossible pour moi de la connaître. Enfin si, je peux la connaître si effectivement je regarde peut-être ce que tu fais. Parce que je pourrais utiliser peut-être un jeu, comme tu dis, il y a des jeux truqués, donc forcément... Je vais couper voilà. Où je veux, et tu ne pourras pas connaître la carte de coupe. Ok, donc... C'est certain. Et si je le fais une deuxième fois, ça sera pareil, parce que voilà. Je peux changer, monter, descendre, on verra... Donc je ne peux pas savoir la position entre de ta carte où elle se trouve, puisque je ne peux pas savoir déjà dorénavant où tu vas couper. Bah, imagine, je coupe maintenant, peut-être en estimant... Mais ce que tu veux dire, c'est que tu ne pouvais pas le prévoir à l'avance. Je ne pouvais pas le prévoir à l'avance. Ce que je vais faire mais maintenant. Mais effectivement, tu as raison, je peux estimer. Donc, et voilà. Peut-être que justement, on va faire donc une expérience. Tiens, je vais te demander donc de couper bah, à peu près un tiers, hein, enfin, comme tu as envie, mais à peu près un tiers, de façon à ce que tu puisses laisser des cartes au deuxième spectateur. Et où tu as coupé, alors si tant, je te le dis, tu as coupé, mais tu peux, si tu veux, rajouter 2-3 cartes. Je sais que je vais en regarder celle-là. Mais voilà. Si elle ne me plaît pas... Je que je veux en rajouter une autre. À chaque fois, tu c'est des cartes différentes. Ton choix est libre. Jusqu'à ce que. Hop, j'ai vu des jokers, je les laisse. Voilà, c'est pas grave, y a pas de soucis. Voilà. Hop, de manière... allez, on va s'arrêter sur celle-là. Ok. Ou bon si je veux, je repose tout et je m'arrête sur une autre. Et comme tu veux. Donc, choix libre. Celle-là. C'est bon ? Ok, ouais. Tiens, pose ton paquet. Alors maintenant, tu. Pardon. Tu vas faire donc le deuxième spectateur. Et refais la même chose. Et tu refais la même chose. Tu recoupes à peu près un tiers, comme tu veux. Si tu as envie de passer des cartes, tu t'en passes une de plus. Donc, de je moins. Regarde même pas. Pour pas voilà. Hop, j'en en prends plus, j'en prends moins, voilà. Hop. Et tu regardes. Et ça sera celle-là pour okay. La deuxième carte. Voilà. Est-ce donc que j'aurais pu aller plus haut, plus bas, j'aurais fait comme j'ai exactement. Voulu. Donc c'est pas des cartes où ça m'impose cette carte-là. Il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais te demander... Et ce temps, il y en a plus que attends, c'est lesquels le premier... Ça, c'était... Ah oui, ça, c'est le talon qui reste. Voilà. Ok. Tu prends un tas, n'importe lequel, voilà, tu le poses, tu fais ça avec le deuxième, voilà, je veux pas y toucher, t'égalises, très important. Donc t'as vu que, même toi, j'en suis sûr qu'alors que c'est toi qui as coupé, t'es incapable de dire où sont tes cartes. Je suis capable d'estimer le nombre de cartes. Non mais même et, si t'étais capable d'estimer, comme du coup, tu ouais, sais même plus quelles... Je sais plus où elles sont, l'une de l'autre. Eh ben, je me rappelle des deux. Je moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que t'as vu que dedans... Alors bien sûr, c'est la deuxième fois que tu le vois, mais t'as des jokers. Troisième. Oui, ça va faire la troisième. Et j'ai des jokers à l'intérieur. Allez, montre-leur tes jokers. Je vais les enlever. Voilà. D'accord. Donc regarde bien, je ne rajoute rien, je ne supprime rien. Juste, je les enlève. Hop, tiens. Premier joker qui est là. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autres dans les cartes qui sont ici. Deuxième joker, quelque part peut-être. Ah bah tiens, il est ici. Et je le prouve que j'ai pas d'autres jokers non plus dans le jeu. D'accord ? Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Il n'y a pas de triche. Alors, l'idée est maintenant la suivante. Tiens, je vais remettre ça là. Ce que je t'ai pas dit, c'est que depuis le départ, donc j'avais mis ces jokers dans le jeu, donc qui étaient mélangés et tout ça, qui se sont mis dans des positions bien spécifiques. Mais j'avais fait une prédiction sur ces jokers.
T'imagines si, quand t'as coupé, j'avais su exactement le nombre de cartes que t'allais couper. C'est impossible que tu prévoies ce que j'ai fait, ce que je devais faire après. Et bien pourtant... Mais tu l'as prévu, c'est ça qui est fort. Ce qui est bizarre, c'est que t'as vu, quand t'as coupé le premier paquet, j'ai su que t'avais pas coupé 10 cartes. J'ai su que t'en avais coupé plus. J'ai su que t'avais pas coupé 26 non plus. J'ai eu un nombre en tête et je l'ai noté en fait sur un des jokers. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai noté sur le premier joker. 18. 18 en italien. Alors bon, tu vas te dire, ouais, moi 18, c'est peut-être pas vrai. Hein. Mais imagine-toi que si tu comptes 18 là, tu tombes sur la première carte que tu as choisie. Ça serait un miracle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La 18, mets-la là, on va pas la voir. 18. Et je te laisse ensuite faire la suite. Sur le deuxième joker, j'avais mis 43. C'est toujours les mêmes chiffres. Hein. Mais apparemment, on peut les changer si on veut. 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, mets-la en face. 43. Est-ce que tu peux voir encore passer les cartes une par une pour montrer qu'il n'y a pas d'autres jokers? Non. Pour la première fois, Thierry, quelle est la première carte que tu as choisie? Je crois que c'était un as, mais je ne me rappelle plus. Carreau? C'était l'as de trèfle. L'as de trèfle, allez. Et l'as de trèfle qui correspond effectivement à la 18e position. Et je ne me rappelle plus non plus. Et 4 de cœur. 4 de cœur. Tu l'as montré à la caméra? Ah voilà. Monde, ouais. Et qui correspond à la 43e position. J'étais en train tellement à chaque fois de regarder. Impossible de remonter ce tour. Alors d'habitude on se les montre à chaque fois, ou alors souvent Thierry il m'appelle et je viens après, il me les montre pas. Et là je l'ai montré deux fois, donc troisième fois, et il sait toujours pas comment ça fonctionne. Donc non, mais parce qu'il tu sais que c'est toujours 18-43 parce que je l'ai fait trois fois avec 18-43, mais alors qu'on peut mettre ce qu'on veut, hein, comme nombre. Et il est venu avec son petit carnet ce matin en disant j'ai retrouvé mon carnet de mes débuts dans la magie où il a marqué que les bons tours, donc il y en a beaucoup qui vont arriver. Je pense que ce tour, sans te mentir, il est sûrement beaucoup plus vieux que ça, mais moi déjà, ça va faire 18 ans que ce tour est marqué sur ma feuille de papier et il y a 5 lignes pour décrire comment fonctionne le tour. 5 lignes. Non, mais c'est inremontable. J'ai cherché. C'est parce une tuerie. Il m'a laissé un petit peu de temps parce que j'avais envie de voir. Et même en regardant la vidéo et en remettant le truc au ralenti à droite à gauche, je pourrais pas. On ne sait pas comment c'est possible. Et bien sûr, ah oui, je disais, je ne t'ai pas donné à examiner le jeu. Non, mais bien évidemment, le jeu est mélangé. Le jeu est normal. Les cartes sont positionnées à l'avance et je coupe vraiment où je veux à chaque fois. Un tiers, je peux en mettre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il n'y a aucun problème. Et il ne peut pas prévoir mes coupes, c'est ça qui est fort. Je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là. L'impensable numéro 30. Voilà. Par contre, il faut lui donner un nom, je sais pas. Encore une catastrophe nucléaire. Je ne sais pas. Non, mais bon. Voilà ce petit miracle. Et ouais, comme ça, il y en aura plein d'autres parce que... J'ai retrouvé mon petit, c'est original, mon petit livre. C'est original parce que souvent on marque des cartes mais on marque un jeu entier et ça nous saoule. Là, il n'y a que deux cartes qui sont marquées. Vous pouvez garder les deux ou en faire deux autres et à chaque fois changer de temps en temps. Et ce qui est très bien, c'est que, et je le dis, et c'est vrai que... C'est top. On peut, donc si vous avez par exemple deux jokers avec ça marqué, pour éviter de détruire un jeu par exemple d'un spectateur mais d'un magicien, vous pouvez lui emprunter son jeu, venir insérer les deux jokers dedans le jeu et le faire directement. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça prouve réellement qu'il n'y a pas de... Il y a une petite préparation, certes, mais qui est extrêmement rapide. Donc automatiquement, il y aura 52 plus 2, 54 cartes. Tout à fait. Enfin, on enlèvera ses jokers à lui. Dans l'idée, on peut emprunter un jeu d'un spectateur et arriver avec nos cartes. Tout à fait. Voilà ce petit miracle, 18-43. Après, donc, ça peut être plus ou moins des chiffres qui correspondent à une date ou quelque chose qui pourrait peut-être faire bien dans votre routine. Si la jeune fille a 18 ans, le père il a 43 ou 45, tiens, on va faire ça. Il faudrait voir si après... Alors forcément, je sais qu'il y a beaucoup de nombres qui fonctionnent.
Mais là, je l'ai fait on tel quel, pas. Comme ouais. C'est marqué sur mon truc, c'est... Moi, ça me donne des idées après, donc je commence à réfléchir, mais je j'arrive toujours pas à comprendre. Eh ben, je vais te laisser essayer de chercher encore une fois. Allez. Allez, à la prochaine. J'adore. J'adore.